Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. Donc là on va partir sur quelque chose de décomplexé, on va essayer d'arrêter de juger, critiquer, analyser. Là on part sur quelque chose vraiment décomplexé. Comme vous l'avez vu sur le titre, on parle d'un top 5 de mes séries Netflix avec bien évidemment des mentions que je vais parler. Voilà, je fais pas un top 10, pourquoi pas un top 10 parce que pas autant que j'ai apprécié. Voilà, top 5 me semble très correct et on va en parler, on va dire furtivement, manière de potentiellement vous donner envie, mais je pense que je vais pas faire l'affront sur certaines séries car je pense que vous les avez déjà vues et vous allez me dire mais de quoi il me parle, j'ai déjà vu ça 30 fois, laisse-moi tranquille. Et bien écoutez, on va commencer par mes mentions, ça serait plutôt pas mal. Pour commencer, Unbelievable, voilà, avec mon accent un tout petit peu douteux. Donc c'est une série policière, dans le même esprit un peu que Mindhunter, voilà. Donc en synopsis, ça avait juste une fille qui s'est fait violer, voilà, mais personne ne va la croire. Et une enquête va se faire, on va dire, quelques années plus tard, on va dire. Parce qu'il va avoir, il va y avoir des similitudes, on va dire, avec des viols actuels par rapport à des viols qu'il y a eu dans le passé, dont cette demoiselle. Et ça va donner toute cette force à cette série, ces deux femmes policières incroyables avec de super actrices. Mais en tout cas, c'est une série très intéressante, je peux que vous conseiller. C'est très court, une petite saison, hop, début d'enquête, fin d'enquête. C'est comme True Detective dans l'esprit. Après, en autre mention, je mettrais bien Black Mirror, évidemment. Je pourrais pas encore la mettre sur mon top dans le sens où j'ai pas vu toutes les saisons. Je crois que j'ai vu 2-3 saisons, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est excellent. Il y a toujours 2-3 épisodes pas foufou, mais dans l'ensemble, on est toujours après sur des épisodes qui sont exceptionnels, extrêmement bien écrits et qui apportent beaucoup, on va dire, au niveau de l'image qu'on peut y avoir sur la société. C'est futuriste, mais à la fois, c'est très actuel, donc c'est hyper intéressant. Je vous conseille Black Mirror pour ceux qui ne connaissent pas. Et en dernière mention, je parlerai bien de The English Game. Voilà, je suis pas le plus grand fan de football, mais en tout cas, là, on parle sur la création, entre guillemets, du football, même si c'est surtout l'avoir rendu professionnel. C'est surtout l'esprit de cette série-là. Ça se passe dans l'époque, voilà, ça se passe à l'époque. Donc c'est assez intéressant, voilà, de comment ils ont traité le sujet. Je trouve que c'est bien fait. Peut-être petite faiblesse, c'est que les montages footballistiques sont pas impressionnants, mais je pense que le budget était assez moindre, hein, donc ça me va très bien. Pour moi, ça fait le café. J'ai passé un excellent bon moment. J'ai binge-watché ça genre en une journée avec ma copine. C'était vraiment excellent. Je vous conseille cette série. En cinquième position, on va parler de The Haunting of Hill House, donc une série horreur. Donc apparemment, ils ont prévu de faire d'autres saisons, mais cela joue à la Black Mirror, donc faire à chaque fois une saison sur des histoires différentes. Donc là, savoir que c'est une saison, je crois, de 10 épisodes, que je ne dis pas de bêtises, avec un début, une conclusion, voilà, toujours pareil. Ils aiment beaucoup faire ça, Netflix. Je peux que vous conseiller cette série-là, rien que déjà pour la réalisation qui est aux petits oignons. Là, on peut le dire, hein, clairement, là, je me la joue à la Dark Magica, aux petits oignons, on va pas se mentir, c'est excellent, quoi. C'est à la fois très fantastique, très horreur et à la fois très attachant, très dramatique. Vous attendez pas à sauter de joie, il n'y a pas vraiment de joie dans cette série là, mais c'est tellement bien écrit, on a tellement envie de savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a tellement de mystères. C'est du suspense qui te donne envie de voir la suite à chaque fin d'épisode. Surtout que je tiens à préciser qu'il y a un épisode dedans, voilà, je crois que c'est l'épisode 6, qui est entièrement en plan séquence, faux plan séquence évidemment, mais tellement bien réalisé que voilà. Voilà, 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 je peux que vous conseiller cette série, elle est juste exceptionnelle. En quatrième, je parlerai de Mindhunter, voilà. Donc, c'est deux flics qui vont se rencontrer et c'est un peu eux les précurseurs, ceux qui ont inventé le terme serial killer. Et que de mieux pour justement créer une étude sur les serial killers, d'aller voir les serial killers directement en prison, c'est le mieux, je pense. Donc, créer, on va dire, des fiches pour pouvoir analyser, pouvoir comprendre la psychologie de ces fous furieux pour pouvoir potentiellement attraper les nouveaux serial killers. Et à l'époque, on est d'accord, le terme serial killer n'existait pas. Pour eux, quelqu'un qui tuait plein de personnes, c'était juste un fou. Mais ils se sont dit que justement, en créant une analyse et grâce à leurs études, justement, ils vont pouvoir établir des lignes, on va dire, directrices pour pouvoir découvrir des nouveaux meurtriers. C'est ça qui est assez
intéressant, c'est que on va apprendre toutes les galères et toutes les personnes qu'ils ont rencontrées dans les prisons. Et c'est cool, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses justement sur cette histoire-là, même si elle a été très édulcorée, bien évidemment. Mais par contre, les meurtriers existent tous vraiment, avec des meurtres qu'ils ont fait vraiment. Et puis, il y a des vidéos qui existent, hein, effectivement, sur ce qu'on voit dans la série. Donc c'est assez intéressant, je peux que vous conseiller, elle est froide. Et c'est David Fincher qui réalise, bien évidemment. Je pense que je ne vais pas vous faire encore l'affront de vous parler d'un réalisateur. Dites légende, on peut le dire, hein. Donc c'est très froid, ça, c'est dû aux arcs. C'est un petit bonbon. Hop, vous le sussautez. C'est excellent. Hop, je vous conseille ça. Saison 2, hop, grosse mention sur la saison 2 qui est exceptionnelle. En saison 3, donc, on va parler de Ozark. Je ne vais pas encore parler 10 milliards de fois sur Ozark. Vous regardez ma vidéo hein, qui sera là. Je vais la mettre. Voilà, je parle entièrement voilà, de ce que je pense de Ozark. Sans spoiler, bien évidemment. Je n'aime pas spoiler parce que j'aime pas gâcher le plaisir. Et surtout, Ozark, ça serait dommage de pouvoir vous spoiler parce que tous les éléments scénaristiques te permettent d'apprécier la suite au fur et à mesure. Donc, faut pas spoiler ce genre de série. Je vous conseille Ozark. Voilà, concrètement, elle est dans mon top et c'est pourquoi elle est dans mon top. En numéro 2, évidemment, je vais parler de Peaky Blinders. Que dire sur Netflix que Peaky Blinders est juste incroyable? Cillian Murphy, Tom Hardy, que dire de plus? Voilà, deux acteurs de légende, deux acteurs talentueux. Deux acteurs qui méritent leur renom. Voilà, Cillian Murphy, peut-être, il a un peu moins de renom que Tom Hardy, clairement, mais c'est un très grand acteur. Inception, Dunkerque, je fais un bisou à mon pote Anto parce que je sais qu'il adore Dunkerque, c'est une plaisanterie. Donc, Peaky Blinders, voilà, c'est 5 saisons avec à chaque fois 6 épisodes, c'est très rapide à regarder, c'est juste une réalisation, on dirait que c'est un film qu'on regarde à chaque fois. C'est violent, dramatique. Bien joué. Les passages de Tom Hardy à chaque fois sont les meilleurs de la série. Que dire de cette série qui est juste parfaite. Parfaite à mes yeux. Elle est juste incroyable. Et en numéro 1, je veux pas mettre le suspense bien trop longtemps. On va parler de Stranger Things. Une série de cœur pour moi. Une série pour moi qui m'aura bercé ces dernières années. Avec une musique voilà, qui nous fait rappeler la nostalgie, c'est tout à fait l'esprit de Stranger Things. Et là, c'est même pas un affront, je vais même pas vous parler de Stranger Things. C'est quelque part, vous n'avez pas vu Stranger Things, vous allumez Netflix, vous mettez Stranger Things et vous matez ça maintenant. Il y a 3 saisons. L'année prochaine, si tout se passe bien, il devrait y avoir la dernière saison, la saison 4 qui sort. Voilà, donc c'est très bien de finir sur 4 saisons. Ça va rendre la série pour moi parfaite en espérant que la saison 4 soit. Au niveau des 3 saisons qui sont sorties, donc on est sur 2 saisons qui se ressemblent beaucoup, qui font beaucoup écho. Voilà, une troisième saison qui est totalement différente et je pense qu'il va faire écho à la saison 4. Et c'est très bien de partir sur un peu de changement à chaque saison. Donc si vous aimez un peu tout ce qui est nostalgique, les années 80, les années 90, cette série est faite pour vous. Je vous conseille Stranger Things à tout jamais. Les musiques, on en parle, les musiques, fait partie des meilleures musiques de série, hein, quelque part, il faut en parler. Donc, j'espère que ce top 5 vous a fait plaisir. C'était vraiment un épisode comme ça que je voulais faire complètement décomplexé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes, les gars.